Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat, François Fajib Ben Hana, Janine Ruth Batot, Mazal Fritna et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez, vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah connectée à sa communauté éternelle, nous étudions ma Sechet. Dmaï, Perek, Aleph, Mishnah Aleph. Akalin, Sheva Dmaï. Ashitin, Varimin, Vauzredin. Uvnot Chouach, Uvnot Chikma, Venovlot Atmara. Veagufnin, Vanitspa, Ubiuda, Haog, Veachometz, Ibiuda. Veakuzbar. Rabbi Yehuda Omer, Kol Ashitin Pturin, Chus Michel Dufa, Kol Arimin Pturin, Chus Mirim et Shikmona, Kol Bnot Shikima Pturot, Chus Mina Mustafos. On va introduire déjà le principe, la Mishnah sur la main, elle est très simple, mais d'abord il faut à peu près 5 minutes d'introduction pour expliquer c'est quoi le Dmaï. Alors, on va déjà poser l'idée générale. C'est fondé, c'est la nécessité de prélever les fruits du Am Haaretz. En une définition simple, c'est quoi le Dmaï? C'est les fruits du Hamarès qui ont un statut qui ont été prélevés dans le doute, plus précisément. Et j'explique. D'abord, lorsque n'importe quel agriculteur, n'importe quel agriculteur récolte ses fruits, il a prélevé plusieurs prélèvements. D'abord, un cinquantième, la Trouma pour le Kohen. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de prélever une Trouma, on peut même prélever un tout petit fruit. Ramène-moi ce truc, tu prélèves quand même un cinquantième. Et tu pouvais même prendre un petit bout de fruit. Tu prends une montagne de blé, tu prends un petit grain de blé, tu l'acquittes avec ça. Rita Khat Potter et Tetakri. Ça, c'est la trauma pour le Kohen. Deuxième prélèvement, après, tu dois prélever nécessairement un dixième pour le Lévi. Après, de ce qui reste, tu prélèves un deuxième dixième qui sera soit Maaser Ani, soit Maaser Sheni, selon les années 1, 2, 4, 5. C'est Maaser Sheni. Tu prends les fruits, ils ont une doucha, tu as pas de les manger chez toi. Tu dois les prendre les années à Yerushalayim pour les manger à Yerushalayim. Et tu as la possibilité de racheter leur doucha sur de l'argent. Racheter leur doucha sur de l'argent, ça implique même aussi, tu peux prendre une petite pièce pour une très grosse valeur. A priori, il ne faut pas le faire, mais dans certains cas, comme ça va être le cas pour Dmaï, on le verra qu'on le fera. Et ensuite, et selon les années, on a dit, donc 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni, et les années 3 et 6, c'est sur un cycle de 7 ans, c'est sur la Maaser Shemitah. Là, c'est 1, 3 et 6, tu donnes le Maaser Sheni, c'est-à-dire tu prélèves le deuxième dixième et tu le donnes aux pauvres pour qu'ils le mangent. D'accord? Du Maaser Ani que tu donnes au Lévi, le Lévi doit avoir prélevé lui-même un dixième. Il s'avère qu'il doit donner un dixième du dixième à qui? Au Kohen. Autre petite introduction, une fois que j'ai donné les fruits au Kohen, le Kohen ne peut pas m'inviter à manger chez lui, parce que de la trouma, je n'ai pas le droit de la manger. Par contre, le Lévi qui m'invite à manger, il a le droit, j'ai le droit de manger chez lui, parce que le Maaser Rishon, il n'est pas Kadosh. C'est juste une taxe à donner au Lévi, mais c'est pas Kadosh. Le Lévi peut le manger même s'il est impur, il fait ce qu'il veut. Et du coup, il peut même inviter à le manger. Et c'est très important, comme on va expliquer dans quelques secondes, la nécessité par rapport au Dmaï, que je n'aurais pas besoin de lui donner en fait au Lévi. Je continue. Il y a le Maaser. Maintenant, Maaser Sheni, c'est moi qui dois le manger, mais que Yeron Shalai. Mais comme j'ai dit, si je veux, j'ai des moyens de faire un petit trafic, de prendre une petite pièce pour dispenser une valeur de 10 000 shekels de fruits sur un petit shekel. Et après, je peux manger tous les fruits. Et cette pièce-là, elle a une doucha maintenant, qu'il faut manger à Yerushalayim pour une valeur de 1 shekel. Il faut la prendre et la mettre là-bas. Ensuite, par contre, je vous dis que le Lévi peut m'inviter à manger. Mais attention, le Lévi lui-même, il doit prélever un dixième du dixième. C'est ce qu'on appelle la Troumat Maaser. Ce n'est pas la Troumat Dola, la Troumat générale qu'on fait pour tout. C'est la Troumat Maaser, la Troumat qui prélève du Maaser, qui s'appelle le Maaser Mina Maaser. Ça, ce qu'il a prélevé, c'est Kadosh, il doit le donner au Kohen, et même le Lévi n'a pas le droit de le manger. Donc en fait, il s'avère que de tous les fruits, et bien sûr le Maaser Ani pour les pauvres aussi, même principe, je le donne pour les pauvres, le pauvre il peut m'inviter à manger, il n'y a aucune gdoucha dans ça. Pourquoi c'est important de savoir est-ce que j'ai le droit de manger ou je n'ai pas le droit de manger? Parce qu'en fait, dans le Dmaï, ce qui se passe, c'est qu'on a un doute, est-ce que les fruits sont prélevés? On va expliquer pourquoi. Est-ce que les fruits sont prélevés? Donc dans le doute, tu dois prélever. Mais tu ne manges pas. Mais tu auras le droit de manger. Tout ce que tu as le droit de manger, en général, tu prélèves, mais tu le manges toi-même. Ce que tu as le droit de manger, tu le prélèves, et soit tu le donnes au Kohen, soit tu le gaspilles, tu le détruis. C'est fondé sur quoi? Alors on va expliquer maintenant, on va avancer un petit peu plus. Donc pour le moment, j'expliquais le système de prélèvement des troumotes au masque, en général. Dans la halakha, on va distinguer pour les prélèvements des troumotes au masque, deux types de personnes, le chaver et le amaretz, littéralement le membre
et le simple. Et le simplet. Le chaver, c'est le membre, le Talmid Chacham, ou bien même tous les juifs méticuleux sont appelés chaver, c'est pas une question de capacité intellectuelle à étudier la Torah, c'est pas le problème. C'est ce que tu es méticuleux sur les autres ou tu n'es pas méticuleux sur les autres. C'est deux approches à la vie, malheureusement. C'est toute la vie, elle est fondée sur ça. Il y a des gens qui vivent une vie de Torah, qui font très attention à tout. Et il y a des gens, plus ou moins pratiquants et traditionnalistes, qui vont essayer de ne pas être franchement contre la Torah, mais ne pas être non plus un gros adhérent. De ce fait, ils font les mitzvot de manière à la légère. Pour les prélèvements, en l'occurrence, on ne peut pas se fonder sur eux. Même si beaucoup prélèvent, on ne sait pas qui prélève pas. Mais cette situation-là a créé que maintenant, les fruits qu'on va acheter au marché, chez les gens, chez les Amaretz, chez les simples, ceux qui ne sont pas membres, ceux qui ne sont pas chavers, les membres de la haute société des tzadikim, et donc ceux qui ne sont pas si on va acheter des fruits au marché, chez les gens simples, il s'avère que les fruits qu'ils achètent, ce sont des fruits de maille. C'est quoi leur statut? C'est que concrètement, il est probable que le propriétaire les a prélevés, mais il est probable aussi qu'il ne les ait pas prélevés. Mieux que ça, la majorité des Amaretz, des gens simples, prélèvent. Mais il y a malgré tout une minorité conséquente qui ne prélève pas. Rachami ont instauré, quand tu achètes des fruits du Amaretz, tu prélèves une seconde fois. Dans le doute. Mais, puisque c'est dans le doute, alors regardez comment ça se passe, c'est très original. Puisque c'est dans le doute, alors il y a le doute, il va faire que tu dois craindre par rapport aux interdits de la Torah, mais par rapport à tout ce qui concerne le côté économique de l'histoire, mamonote, comment dire, juridique de l'histoire, ça t'appartient, ça veut dire. Vous savez bien la grande règle, Amosi Mechavero, à la Varaya. Lorsque, imaginez que j'ai quelque chose, j'ai un doute, est-ce que c'est à moi ou à toi? J'ai quelque chose chez moi, on ne sait plus est-ce que c'est à moi ou à moi. Dans le doute, j'ai pas besoin de le donner et j'ai pas besoin de le partager en deux. Parce que Amosi Mechavero, à la Varaya, Zeklal Gadol Bedin, Amosi Mechavero, à la Varaya. On a une grande règle qui génère tout le Rocher Mishpat, toutes les lois juridiques, c'est que pour faire sortir de mes mains, il faut que tu apportes une preuve. De ce fait, les fruits, on ne sait pas ce qu'ils sont prélevés. On craint qu'ils n'ont pas été prélevés. Donc tu prélèves. Mais est-ce que je dois ensuite le donner au pauvre? Le pauvre me dirait, j'ai entendu que tu as prélevé du Maserani, de Maï, donne-le-moi. Je lui dis, mais peut-être que les fruits étaient déjà prélevés et tout ce que j'ai prélevé, ce n'était pas nécessaire de le prélever. Il s'avère que les fruits, ils ne sont pas nécessairement aux pauvres. Je les garde dans le doute. Idem avec le Lévi. Mais par contre, tout ce qui touche à la tourba, plus précisément à la tourba de Maser, on expliquera ensuite pourquoi. Tout ce qui touche à la tourba de Maser, il y a un interdit de le manger, donc je dois le prélever et lui, je ne pourrais pas le manger. Vous avez compris l'idée? Le Maser Sheni, tu vas prélever. Mais, après, tu prends tous tes fruits là, tu transfères la Kedusha sur une petite pièce et tu t'es acquitté aussi. Maintenant, le Maaser Rishon que tu dois donner au Lévi, lui, le Maaser Rishon, il doit prélever une part pour le Kohen, c'est par là l'interdit d'être que de consommer. Donc de ce fait, le Maaser Rishon, une fois que tu dans théorie, c'est en fait, je prends comme ça. Imaginez que j'ai acheté 100 kg de maille. Il me manque un petit détail que je n'ai pas précisé. Les Amaretz, quoi qu'il arrive, tout le monde prélève la Tourma Gdola. Comme on a dit, la Tourma Gdola, je peux prélever un petit grain de blé pour une montagne. N'importe quel juif, même pas tellement méticuleux sur les mitzvot, il prend un petit grain de blé, il dit allez, chier, trauma, je le jette. C'est très grave de manger la Tourma, et avec rien du tout, on s'acquitte, un petit grain de blé, je le jette. Personne ne s'empêche de le faire, donc la Tourma de maille, je n'ai pas besoin de le faire. Donc maintenant, je récapitule. Je vais au marché. Je vois un juif sympathique, mais pas tellement méticuleux sur les mitzvot. On aura ensuite des définitions sur ce qu'il est Chaver et ce qu'il est Amaretz. Et donc j'ai acheté des fruits, j'ai acheté 100 kilos. Je reçois les fruits, alors venez, on va faire l'inventaire. Tourma Gdola, j'ai pas besoin de prélever parce que c'est sûr qu'il a prélevé. Maaser Rishon, je dois prélever déjà 10 kilos. Des 10 kilos, je prends 1 kilo, ça c'est Tourma Gdola. Tourma Maaser, j'ai pas le droit de manger. Le reste, c'est Maaser, mais peut-être que c'était pas nécessaire de prélever, dans le doute je le garde. Ensuite, des 90 kilos restants. Il me reste maintenant, je dois prélever 9 kilos. C'est Maaser Ani ou Maaser Sheni. Alors, si c'est Maaser Ani, je prélève. D'après, dans le doute, je le garde pour moi. Maaser Sheni, je prélève. Je prends une petite pièce, une prouta, et je transfère la Kedusha sur la petite prouta, la petite pièce, et j'ai fini. Il s'avère que des 100 kilos, qu'est-ce que je dois donner? 100 kilos. Des 100 kilos, je dois donner 1 kilo, c'est la tourmente de Maaser, plus une petite prouta que c'est ma sœur Chéni. Et je me suis acquitté de ma mitzvah de prélever les tromotes ou ma asrot
du Amaretz. Ok. Tout est fondé, je rappelle, que le Demaï, c'est fondé sur le fait que c'est un doute. Est-ce que ça a été prélevé ou pas? Mais plus qu'un doute. Quand la majorité des gens prélèvent, il y a juste une minorité qui ne prélève pas. Il faut craindre, mais c'est un doute. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. La première Mishnah va ouvrir sur ça, en m'apprenant une règle bien connue de tous. Svek Sveka. Lorsqu'on a un double doute sur une situation, on permet. Svek Sveka Mouta. En l'occurrence, vous savez que les fruits qu'on cueille de manière sauvage ne sont pas imposés de Troumotumasot. S'ils sont imposés de Troumotumasot, donc ils sont dispensés. Je vais acheter des fruits au marché, chez un vendeur simple, un Maharetz. J'achète des fruits. Alors regardez, est-ce que ces fruits doivent être prélevés? Si jamais il s'agit de fruits qui poussent sauvagement en Israël, en Israël c'est fréquent, vous partez vous promener dans les différentes rivières, vous allez trouver des figuiers. C'est des figuiers, c'est pas des figuiers qu'on fait pousser à la maison dans les vergers, c'est des figuiers malgré tout sauvages avec des bonnes figues. Ça, c'est des petites figues sauvages. Ces figues-là, plus elles poussent sauvagement, elles ne sont pas imposées de trouver de masserotte. Elles n'ont pas de propriétaire. On les cueille sauvagement. Donc maintenant, je vais aller acheter des petites figues sauvages comme ça au marché, chez le Amaretz. Peut-être que ces fruits, les a cueillis dans un endroit qui n'était pas imposable de trouver de masserotte. Et supposons maintenant qu'il est que. Non, réellement, c'est lui qui les élève. Il a une grande propriété chez lui. C'est lui qui élève ses propres figues. Bon, mais peut-être que lui prélève, tout simplement. J'ai un double doute. Peut-être que les fruits ne sont pas imposés de trouver de masserotte. Et s'ils sont imposés, peut-être qu'il a prélevé. Dans le doute, dans le double doute, je ne suis pas imposé de prélever les troumotes ou maasrot de Dmaï. Ça s'appelle Hakalin Shebadmaï. Les deux premiers mots de la Mishnah, Hakalin, les simples, les alachot, cool, kal, simple, facile, du Dmaï. Hakalin Shebadmaï, les mitzvot, les coulottes qu'on a pour le Dmaï. Donc les fruits sur lesquels on n'est pas imposé de prélever les troumotes ou maasrot du Dmaï, et la Mishnah est rentrée sur une série de 16 fruits, j'ai compté, qui ne sont pas nécessairement, qu'il n'y a pas besoin de prélever, parce qu'on a le double doute, est-ce qu'ils ont une doucha dessus ou pas. Et est-ce qu'ils sont imposés de troumotes ou maasrot? Parce que peut-être, comme on a dit, peut-être qu'ils viennent du Efker, du sauvage, et même s'ils viennent de la propriété privée, peut-être qu'ils prélèvent. Et donc on commence avec la série. Hachitin. Hachitin, c'est une sorte de figue sauvage. Harimin, c'est une sorte de, comme Rimon, c'est une sorte de, comment dire, de grenade sauvage aussi, petite, qui pousse sauvagement. À Ouzredin, il rapporte le Bartanora, poire, regardez, Baravi, Zeroud, Obelaz, Sorbich, ah non, mais c'est pas la langue, rapporte, poire, d'accord? C'est une sorte de poire, je sais pas ce que c'est exactement. Ubnotchouar, c'est une autre sorte de figue sauvage, cette fois-ci, qui est blanche. Il y a un fruit qui donne des fruits tous les 3 ans. Bnot Shikma, alors là, cette fois-ci, c'est Bnot Shikma, c'est une figue qui pousse, c'est un croisement de la figue et du marron, du harmon. Harmonim, c'est les marrons chauds. Et, pas exactement, c'est l'autre sorte, les glands, je crois, plutôt. Et ça, c'est Bnot Shikma. Venovlot Atmara. Novlot Atmara, c'est comme Tmarim, c'est les dates. Mais c'est les dates qui. Alors soit c'est les dattes qui poussent, que le vent emporte et qui fait tomber, qu'on en trouve plein dans la rue, qu'on les ramasse, les gens ils ramassent, et après ils ont un système spécial pour les faire mûrir, ça va leur donner une sorte spéciale de date originale un petit peu acidulée. Et c'est donc probable qu'il les a ramassés du FKR, de la rue. Et même si c'est lui fait pousser dans son champ, il les a ramassés de son champ, peut-être qu'il crée de nouveau. Vagoufnit, ça vient de Geffen, c'est du petit raisin sauvage plus acide comme ça. Vanitzpa, alors c'est le tlaf, c'est le capri. Ou Bihouda, et aussi dans le secteur de Yehouda, c'est-à-dire de Yerushalayim jusqu'à Yamamelach. Là-bas, on a le Haog. Haog, c'est du rousse, du sumac. Je ne sais pas ce que c'est exactement, à quoi ça ressemble. Faites une recherche Wikipédia. Ça se trouve fréquemment, il y a dans le Midbar Yehouda, pas loin de Mitzpah Yerecho, il y a Nahal Og. Il y a un fleuve qui s'appelle Nahal Og, où on peut faire des randonnées là-bas, Haog. Vachomet, c'est Yehouda. Et aussi, lorsqu'on achète du vinaigre à Yehouda, le vinaigre à Yehouda, Yehouda, c'est une terre où il y a beaucoup de raisins qui poussent facilement, et donc tout le vinaigre, on ramasse les petits fruits, les petits raisins acidulés pour en faire du vinaigre. Et donc, il n'est pas imposé de trouver Thomasot, parce que ça se trouve, c'est quelque chose qui se trouve facilement de manière, de nouveau, même principe sauvage, donc les gens les prélèvent, et dans le doute, ça fait un sexe et on peut prélever.
Et de même aussi pour le kousbar, le coriandre. Comme il nous dit le Barthénora, coriandre. Et maintenant, on a Rabbi Yehuda qui vient et qui va mettre quelques petites limites. Je traduis vite fait, c'est simple. Rabbi Yehuda Omer, kolachitin torin, chutz michel doufra. C'est vrai que tu m'as dit que les figues sauvages, elles sont dispensées, je suis d'accord avec toi. Mais à l'exception d'une espèce spéciale qui s'appelle le doufra. Le doufra, c'est un. Ça vient de dou, de du, duel. Dou, pri. Double fruit. C'est un arbre qui donne des fruits deux fois dans l'année. Et là, dans ce cas-là, c'est des gens, ça vient d'un élevage privé. Et de même aussi, kolarimin pturin. De même aussi, toutes les petites grenades sauvages sont dispensées. Chousmi rimene shikmona. À l'exception des petites rimonimes qui viennent de la région de Shikmona. Je ne sais pas où c'est. Et kol bnot shikma pturot. Et tous les bnot shikma, on a dit bnot shikma, c'est les figues croisées avec les harmonimes, avec le marron. Elles sont toutes dispensées, effectivement, à l'exception de la moustaphos. Moustaphos, alors il nous rapporte le Barthénora, je ne sais pas exactement c'est quoi comme sorte, mais c'est une sorte de figue qui est plus agréable, malgré tout. Comme il dit le Barthénora, qu'elle, naturellement, elle pousse, elle reste sur l'arbre jusqu'à qu'elle va mûrir sur l'arbre, et elles sont plus importantes. Donc, les gens, les élèves, ne le rendent pas efker, et si ça ne vient pas efker, alors dans ce cas-là, on n'a plus qu'un seul doute. Est-ce que ça prévaut pas? Il faut prélever dans le doute. Et ça reste du maï. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov U'Seala.